young at heart, but we're still dreaming. It's wide open, leave this place behind, no matter what they say. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5ème épisode de Madventure. Très content de vous retrouver après un superbe live. On a passé une bonne soirée en live sur Twitch et vous allez le voir, on a fait pas mal de petites choses. Alors, si vous avez raté le live, ce que je veux dire, c'est que c'est pas bien grave. De toute façon, je vais vous montrer tout ce qu'on a fait. Et puis en même temps, si vous avez regardé le live, bah, c'est toujours sympa parce qu'en vrai, on a passé un bon moment ensemble. Bref, 5ème épisode aujourd'hui, alors... on a plein de moutons, on a plein de poules aussi du coup, et pas beaucoup de vaches. Mais bon, ça c'est un petit détail. J'ai ajouté les petits tapis, vous savez, qui permettent de sortir et de rentrer dans les enclos de manière assez rapide et simple et efficace, tout ça. Surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé miner et l'intérieur de la maison a changé. Alors, ah oui, et aussi, oh là là, s'il vous plaît messieurs, dames, je laissez accueillir chaleureusement ce petit chaton qu'on a adopté en live, je suis super content. D'ailleurs, si vous voulez la rediffusion du live, si ça vous intéresse, je mettrai un lien en description. Voilà, on a streamé pendant 3 heures. Et donc, j'ai adopté ce petit chaton, trop mignon. Et c'était pas compliqué à adopter, donc je suis content. Et ils copulent super bien. Enfin, ils copulent, non, je veux dire, ils s'entendent super bien, le chien et le chat. C'est pas pareil, le mot copuler, bref, le verbe même, dirais-je. J'ai fait un petit composteur et l'intérieur de la maison, attention messieurs, dames, oh yeah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, en fait, tout simplement, je me suis rendu compte en live que c'est vrai qu'avec la place qu'on a, les coffres, ça va être une galère. Donc, il va nous falloir quand même une belle salle des coffres. Mais ici, une salle des coffres, c'est un peu complexe. Du coup... on a décidé, et avec votre aide en commentaire bien sûr, enfin dans le live, on a fait une petite l'escalier en colimaçon, ouais, bref, qui mène en fait à l'escalier, vous savez, l'escalier qui était sous terre là, d'ailleurs si on casse ici, hop, voilà l'escalier, faudra que je refasse un petit peu les niveaux, mais du coup voilà un petit peu, et donc la salle des coffres se fera ici. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, évidemment avec des coupures. Donc déjà les amis, je vais préparer les coffres et je vous retrouve juste après. Ok, de retour les amis, je fais un petit somme, tac tac. J'ai enlevé le chat, je l'ai mis au niveau de l'enclos des moutons parce que ben c'est vrai que ça vous pète le crâne un petit peu, les miaulements du chat. Et moi aussi, ça a commencé à me taper sur le système. Juste une petite parenthèse, j'en avais parlé en live mais j'en avais pas parlé du coup en vidéo encore. Mais donc pour le cratère, on a plein d'idées que vous avez suggérées en commentaire. Et en vrai, en mélangeant toutes les idées, c'est incroyable. En fait, vraiment, l'aventure va vraiment se baser autour de ce cratère. J'aimerais faire mettre plein d'arbres comme il était prévu. Oh, il y a un marchand. J'aimerais mettre plein d'arbres. Et en fait, ce que vous m'avez proposé, c'est faire différents biomes, genre 4 zones, tu vois. Au milieu, un grand arbre géant avec une cabane à l'intérieur. On pourra faire des passerelles qui relient les 4 extrémités en hauteur comme à la hauteur en bas. On fera un coaster également, un coaster pour s'amuser à l'intérieur. Et il y aura des constructions de type habitation tout autour, évidemment, de la montagne. Bref, en fait, il va y avoir énormément de choses, vraiment, dans ce cratère. Et c'est absolument incroyable. Alors, j'ai un petit peu rangé les coffres. C'est pas fini parce que c'est compliqué. À savoir aussi qu'on a récupéré du diamant. 11 diamants, 13 pour être précis, parce que j'ai une pioche en diams. Hein, c'est vrai que je vous l'avais pas montré. Donc, j'ai en bas, je pense que ça va être que du stockage. Donc, tout ce qui va être bloc. À savoir là, bloc de spruce, bloc de chêne, enfin tout ce qui est en rapport avec le chêne. Bon là c'est pas bien trié mais tu m'as compris. Bois de bouleau, ici un autre type de bois. Ici tout ce qui est en rapport avec la cobble et finalement les pierres un peu qu'on mine directement et la stone. Et là c'est tout ce qui va être cobble modifié, voilà. Ici, bloc de terre, ici je sais pas encore, probablement bloc de laine. Et puis après on a encore de l'espace pour les différents blocs qu'on aura en masse et qu'on n'a pas pour le moment, donc comme ça on est tranquille. Ici tous les loots hostiles, ici tous les loots dociles, là je sais pas encore parce que vous voyez en fait finalement en termes de ressources c'est vrai que c'est pas trop ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un jukebox. Et aussi j'ai découvert un nouveau craft qui fait partie des snapshots. Attendez, bougez pas, hop là, ça va être chiant. Hop, j'ai récupéré un petit peu de bois. J'ai découvert un nouveau craft que vous devez connaître, hein, j'imagine. Alors je vais pas tout claquer pour être sûr. Et il s'agit... Il n'est pas là. Alors ça va être un petit peu chiant. Est-ce qu'il faut peut-être des slabs? Voilà, le Chisel Bookshelf, qui est en fait une bibliothèque, mais sans livres. Et en fait tu mettras à l'intérieur des livres. Donc c'est surtout pour la décoration. Ça ne marche pas pour les tables d'enchant, je crois.
En tout cas, pas pour le moment. Et c'est plutôt sympa. Donc, quand on aura des livres, on pourra les stocker dedans aussi. Ça peut être une idée. Voilà. Vous avez vu, j'ai pas assez pour faire des items frame. Enfin, vraiment, c'est la dèche. Faut, en off, je vais vraiment farmer les petites vaches. Alors, ce qu'on va faire aussi, parce qu'en vrai, on n'est pas tant en sécurité que ça. On va devoir mettre un peu d'éclairage un peu partout autour de la maison. Donc, j'ai refait des lanternes. J'aimerais faire ça joliment là. Tac, 12. Bon, on va pas aller loin avec ça. Tout simplement, je vais faire des petits poteaux et mettre des lanternes dessus pour un petit peu agrémenter et éclairer les alentours de la maison, parce que là, ça va pas être possible. Voilà, 27, on commence à avancer, c'est pas mal. Allez, on va se contenter de ça. Ouais, les items frames, c'est un peu la galère parce que je clique dessus au lieu d'ouvrir les coffres, donc c'est un petit peu terrible. Je vais faire aussi un composteur automatique avec les hoopers, mais j'ai plus de fer non plus. C'est vraiment la dèche. Allez, on va mettre quelques petites... Bon, c'est peut-être mieux de faire ça la nuit, mais bon, au moins, on est tranquille. Hop, on met les petites lanternes par ici. Voilà, superbe. Surtout, change pas, t'es le meilleur. Voilà, parce que j'avais vu quand même pas mal de monstres spawner aux alentours de la maison. Et je vais pas vous mentir que ça ne me plaît pas. Donc surtout ici pour le moment. Alors on verra ce qu'on fera ici. C'est vrai, hein, y a plein de constructions qu'on va pouvoir faire. Parce que c'est vrai que là on est quand même attardé finalement sur notre maison. Pareil, il y en a un qui a proposé. Enfin, je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais c'est vrai que ça peut être un objectif. Et ben comme dans Madventure saison 1, ici on fera un phare. Ça peut être une très très bonne idée. Alors, c'est moi qui l'avais suggéré dans le dernier épisode, mais c'est vrai que c'est un objectif qui peut... Enfin, ça peut être un objectif. C'est vraiment une très bonne idée. Donc voilà un petit peu pour ça. Voilà, les petites lanternes autour de la maison, c'est pas mal. Donc là, le petit chat, il est là, il surveille les moutons, les animaux de la ferme en folie. Est-ce que je peux déjà faire reproduire les vaches? Ce serait pas mal. J'ai vraiment besoin de farmer là pour le coup. Ok, superbe. Tiens, je te donne du blé, toi. C'est pour ta croissance. Voilà, bon, les moutons, il y en a assez hein, pour le moment. C'est vraiment pas la priorité hein. Alors ils sont déjà bien éclairés ici, c'est bon. Là je vais pouvoir rajouter une lanterne aussi sur les bords quand même, ça reste important. On va se faire aussi, alors dans le cratère il y aura plein d'arbres, mais c'est pas des arbres qu'on va couper. Donc je pense qu'on va se faire une ferme à arbres, parce que là c'est un peu le bordel. Et c'est pas pratique. Donc on va se faire une ferme à arbres je sais pas où. Peut-être sur un endroit plat. Et je pense que ici ça peut être une idée. Je sais pas, il faut voir. Hop. Après, il y a beaucoup de bois aux alentours, hein, de toute façon. Mais ouais, si, regardez, si on terraformait ici, là. Si on terraformait ici, eh ben, on peut se faire une belle ferme à bois. Une belle ferme de tout, en fait. On va se faire une ferme de tout. Allez, les amis, on va faire ça. Je terraforme et je vous retrouve juste après. Oh purée, alors ça c'est du chantier les amis hein. Ça c'est du chantier, là j'ai tout terraformé. J'ai enlevé les lampadaires qui volent. Ok, et donc là en fait l'idée ça va être de faire une ferme de tout. Donc ouais, une ferme de blé etc, mais aussi une ferme d'arbres, une ferme de cactus, une ferme de canne à sucre etc etc, de sorte à ce que vraiment on ne manque de rien. J'ai récupéré en plus plein de fleurs, donc décorativement parlant, au moins on va pouvoir faire des petites merveilles. Le seul truc que je crains dans tout ça, c'est que il va faire sombre, parce que l'idée ça va être de farmer un maximum de bois. Alors ce qu'on va faire pour être malin, on va faire en fait une rangée de chaque chose dont on a besoin. On va faire une rangée de bois avec toujours un petit espacement. 1, 2, 3. Je sais pas quel serait l'espacement idéal. 3 au milieu je pense hein. 1, 2, 3 1, 2, 3 Ouais. Un espacement de 3 au milieu ça peut être plutôt pas mal, de sorte à ce que les arbres ne s'interfèrent pas. Là il faudra faire des... Bah là les arbres vont s'interférer, donc il faut vraiment que je fasse un espace supplémentaire pour le bois de bouleau. Pareil avec un espacement. Et puis entre on va pouvoir faire des plantations tout simplement. Je pense que c'est une très très bonne idée de ma part. 1, 2, 3 On va pas aller plus loin. On va protéger et tout avec des barrières et tout, hein, je pense. Hein. Je pense. Ok, on va faire ça comme ça. Il faut que je refasse une houe, parce que je n'ai pas de houe. Et puis voilà. Par contre, ce qui me fait un peu yesh, c'est vraiment que je n'ai plus de fer. On a fait un épisode vraiment en minage. On a streamé. Vas-y, je vais ranger ça là, je m'en fiche. On a vraiment miné et tout pendant tout un live. Et tout ça, au final, j'ai pas de fer.
C'est un truc de fou. Bon, bref, on va faire ça directement. Pareil, l'idéal ce serait qu'on trouve du bambou assez vite. Donc faut vraiment qu'on trouve une jungle. Prochain épisode, on explore, les gars. Prochain épisode, alors entre-temps, je vais miner. Mais je veux dire, prochain épisode, on part explorer pour trouver une jungle, pour avoir des sticks illimités. Vous savez, les bambous. Parce que là, utiliser du bois, c'est terrible. Alors attendez, je prends tout de suite tout ce dont j'ai besoin. Alors j'ai des graines. Qu'est-ce que j'ai comme plantation possible? Bah ouais. Bah, j'ai l'air con. J'ai même pas de canne à sucre. Alors je regarde dans tous mes coffres alors que c'est censé être rangé. Non mais c'est complètement débile ce qui se passe. Ah peut-être ici. Bon j'ai des berries mais ça on s'en fiche. Ok, je vérifie en bas encore rapidement et puis après on sort mais... Ah là je me suis fait arnaquer par moi-même. Là peut-être. Non. Pas de plantation. Ah ouais. Ah là c'est le beau gel. Là c'est le... Allô, s'il te plaît, c'est le beau gel. Peut-être dans ce coffre. Ah bah voilà. Oh punaise, on a de la chance. De la canne à sucre. Donc des graines, j'en ai déjà. D'ailleurs, alors comme ça va me permettre de me rappeler parce que j'ai fait une bêtise hier en live. Voilà, tout simplement, hein. Hop, voilà, la petite graine, c'est parfait. Ok. Comme ça, là, le champ de blé, c'est plus décoratif qu'autre chose, hein. Le composteur, bah du coup, je vais le prendre. De toute façon, on fera un truc automatisé. Je vérifie aussi. Bah oui, j'en ai déjà un là en plus, parfait. Je vérifie, qu'est-ce que j'ai? Ah bah j'avais un autre composteur, putain. Ah je sais plus où donner de la tête. Bon là j'ai rien à planter. Bon ok, on va déjà se contenter de ça. De toute façon cactus on n'a pas trouvé de désert pour le moment. Donc là prochain épisode il faut qu'on trouve un désert. Et il faut qu'on trouve surtout une jungle hein. Et puis ce sera déjà pas mal hein. Ce sera déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Bon, bah ma foi. Alors comment on va faire? 1, 2, 3. Là il y a deux de là, de côté. Ok. Ok. Ah dommage, c'est pas symétrique. Oh, ça a déjà planté. Eh, ça commence bien. Ça commence bien. Comment on va faire? On n'a pas besoin d'eau, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir de l'eau. Bon, bah vous savez quoi? On va pas se casser la tête. Ah ouais, mais du coup, j'ai pas de source d'eau. Ah, purée. Oh là là, il me faut une source d'eau infinie. Il me faut une source d'eau infinie, sinon on va pas s'en sortir. Donc les amis, je cherche encore une source d'eau et on se fait une source d'eau infinie. À tout de suite. Ah oui, et puis là d'ailleurs, il faudra mettre un... Ah ouais, elle est prête à couler là. Il faut que je mette un feu de camp et tout. Que vous... Alors je sais plus comment on fait, vous m'aviez expliqué pour récupérer du miel. Remarque, le miel d'ailleurs, ça va servir à quoi, je ne sais pas. Mais bref, là on a une ruche toute faite. Donc clairement, là, ah, ça coule en plus là. Hein. Je peux pas récupérer? Ah si, il faut mettre du feu pour les calmer, je sais pas quoi. Il faut des cisailles et tout. Bye. J'ai pas de fer. Allez. Ok, donc là je vais faire une source d'eau infinie. Ça marche encore, hein, rassure-moi. Ouais, ça marche encore. Par contre, on va la faire ailleurs. Là, c'était juste le temps de récupérer les sources d'eau. On va la faire là. Tac. Hop. Bam. Là, je peux récupérer. Donc, on met à l'opposé. Et on a notre magnifique source d'eau infinie. Ok, parfait. Du coup, je vais pouvoir, eh bien, tout simplement reboucher comme ça. Labourer comme ça. Oui, c'est sympa. C'est sympa de faire un truc comme ça, je pense. Ok, bon. On va pas automatiser les champs parce qu'on n'est pas des... On n'est pas des foufous productifs. On va automatiser pas mal de choses, je pense, durant l'aventure. Mais pas les champs. En tout cas, pas dans un premier lieu. Hein. Canne à sucre, canne à sucre, canne à sucre. On va plutôt faire ça. Eh bien, on va plutôt faire ça de ce côté-là. Puisque là, il y aura le bois de spruce. J'ai enlevé les graines. Là, pareil, on reterraforme pour avoir plus de place. Voilà, nickel. Salut petit cochon! Merde. Voilà. L'avantage c'est qu'on a pas mal de terre. Donc on peut se le permettre. Ah bah oui. J'en ai vraiment pas mal. On va faire ça joli quand même. Bon là l'herbe elle va repousser, hein, vous inquiétez pas. Hop là, voilà. Nickel, bien comme il faut. Ok. Du coup, du bois de spruce. J'ai pas de bois de spruce d'ailleurs. Alors attendez, panique à bord. Il faut que je coupe le bois de spruce qui doit être là. Si je dis pas de bêtises, ça c'est du chêne. Allô? Oh non. Oh non, j'aime pas cette histoire. J'aime pas cette histoire. J'ai perdu le bois de spruce. Oh, j'ai été débile. Ah, oh, j'ai été débile. J'ai coupé le bois de spruce sans récupérer les. Non, tu déconnes.
tu déconnes. Non, c'est trop. Oh la flemme. Bon, c'est pas grave, c'est à côté, mais faudra que j'en récupère quoi. Ah putain. Ah, j'étais débile. Oh le con. Bon, de toute façon, vous avez compris ce que je comptais faire. Bon, là, clairement, en off ou en live, ça dépendra de quand sortira cette vidéo. Mais je chercherai du bois et on ira miner. Mais en tout cas, on n'ira pas explorer en live les autres biomes, vous inquiétez pas, on fera ça ensemble. Allez, canne à sucre, là c'est important, hein. C'est important, canne à sucre, on va faire une rangée comme ça. Allez, on va mettre de l'eau tout ici. Alors vous savez que c'est une légende, hein, cette histoire de mettre du sable pour que ça pousse plus vite, hein. C'est pas vrai, hein. Le sable ça fait pas pousser plus vite, hein. Et le premier en commentaire qui me dit si si, alors frérot, je joue à Minecraft depuis 2012, donc voilà, alors ça peut-être changer, mais je pense pas, très sincèrement. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Vite, des lumières. Il faut de la lumière absolument. Sinon, ça va être le caca. Et c'est bien que le soleil se couche parce que ça va nous permettre de voir si les lumières sont bien placées. Bon, là où je mets les lanternes, il y aura de toute façon du bois encore, mais. Ah, là, j'ai plus de. Voilà. Bon, on va poser les lanternes à même le sol, hein. Voilà. Et ça pousse bien le bois, c'est parfait. C'est super bien joué de ma part. Faudra juste entretenir ça régulièrement, quoi. Ok. Ok, bah on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc là, faudra faire un truc automatique et tout. Ça, ce sera facile et rapide à faire. Faut juste qu'on puisse faire un hooper et pour ça, il faut du fer. Fer que nous n'avons pas. Fer que nous n'avons pas. Bah, j'ai pas de blé. Putain, j'ai pas de blé pour faire reproduire mes petites vaches. Hein, parce que là, il faut qu'on farme. Hein. Voilà, là, il faut clairement qu'on farme les vaches. Limite, je vais AFK tout à l'heure pour. Voilà, ça va aller de plus en plus vite, c'est parfait. C'est parfait. Bon, il y a des monstres qui spawnent un petit peu aux alentours. Mais vous voyez qu'on est safe pour le moment, visiblement. Donc ça, c'est plutôt nice. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire... Attendez, j'ai pas de la bonne mille. Non. J'ai pas de la bonne mille. Si, normalement, j'ai de la bonne mille. T'en bouge pas. Voilà, en tout cas, j'ai de quoi en faire. Comme ça, on va faire pousser un peu de végétation. Et ce qu'on va faire aussi avec la cobble que j'ai, on va faire des barrières pour sécuriser un petit peu mes alentours. Parce que mine de rien, autant profiter de la cobble qu'on a. Hop, hop, voilà, directement. Et puis en plus, ça nous permettra de faire de l'éclairage. Parfait. Hop, on va faire ça tout de suite. On va pas dormir. Donc là, on fait pousser un petit peu. Ah ouais. Très, très, très mauvaise idée en fait. On va plutôt mettre des fleurs manuellement, hein. Directement, ce sera peut-être mieux. Hop, regardez. La petite tulipe ici. La petite tulipe là. Et une petite fleur bleue aussi. Voilà, c'est mignon, c'est cool. Je vais plutôt la mettre là. Et une ici. Tout le bois qu'il y a là, je le dégagerai. Hein, parce que là, vraiment, à coup de briquet, je le dégagerai. On fera de la décoration. Je veux dire, les arbres, on va les rendre jolis, etc. Parce que c'est là les arbres qu'on va donc dorénavant couper. Du coup, oh putain, il y a des Endermans qui spawnent en masse, hein, par contre. Hein. Donc là, l'idée, ça va être de faire une barrière de type. Ouais. Je sais pas si ça va être une bonne idée pour le coup. Bon, en général, c'est quand même des bonnes idées de sécuriser sa base, mais. Si ça peut être une bonne idée. Dans tous les cas, ça sera une bonne idée. Tac. Ok. Bon, faut en mettre des. Des portions, hein, bien sûr. Hop, voilà, comme ça on économise une petite barrière. Les spiders, ouais, ça commence à spawner là-bas. Et vous voyez, on va avoir une petite limite de sécurité finalement. Ah, l'araignée, elle va. Elle m'a vu, je crois. Pas sûr. Ok, ça c'est pas mal. Ah, si, on va être bien. Le zombie il arrive, mais. tu pourras pas passer. Enfin, si, en fait, mais. Là, va falloir qu'on élargisse. Alors là, on va faire un truc comme ça. Parfait. Alors, par contre, j'ai pas ton temps. Ah oui, alors regardez la nouveauté. Regardez le mouvement de caméra. Ah, ça marche pas. Ah, voilà. Là, vous avez vu le mouvement de caméra. Et en fait, c'est la nouveauté de la snapshot sur laquelle je suis. J'en avais parlé en live. C'est ça ce qui est bien aussi de faire la snapshot. C'est que je vais pouvoir vous apprendre un peu les nouveautés qu'il y a quand je suis au courant. C'est que tout simplement, maintenant, on voit la direction des dégâts. Donc, si tu te prends une flèche dans une grotte, tu sauras de où vient la flèche. Grâce au. Eh ben, grâce à l'indicateur finalement de mouvement qui nous dit dans quel sens on s'est pris les dégâts. Donc c'est plutôt sympa. Et là on va, je pense, pouvoir remonter par ici. Le petit cochon, excuse-moi, tu n'es pas le bienvenu.
Ah oui, il faudra qu'on trouve des carottes aussi. Ça peut être pas mal. Alors c'est temporaire, hein, je veux dire, tout va être amené à bouger, hein, en fonction d'eux, parce qu'on sait pas où c'est que le coaster sera. Mais on n'y est pas encore, hein, de toute façon, au coaster, hein, je vous rassure. Du coup, je vais arrêter les barrières ici. C'est déjà bien sécurisé comme ça, je pense. C'est bien éclairé, il n'y a pas de monstres qui spawnent. Ils spawnent tous de l'autre côté. Là, ils peuvent pas monter, de toute façon. C'est simple. Là, bonjour squelette également. Là, ils peuvent pas monter. Là, par contre, ils peuvent, évidemment. Donc là, il faut qu'on prenne les devants. J'ai encore quelques barrières. Voilà. C'est juste en fait histoire d'être safe quand je suis en train de farmer là parce qu'il va faire un peu sombre. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs là, j'aime pas trop ce qui se passe. Voilà. Et là, on va être pas mal. Oh, on va être vraiment tranquille. Tu vois, après, c'est pas obligé de refermer tout loin derrière. Je pense même qu'on va arrêter ici directement. Ok. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. J'ai hâte de faire des petites décos. Je vais vraiment couper tous les arbres en off là. Et je vais refaire un truc assez sympa. Vous voyez, un petit peu comme là. Alors je vais tailler des arbres aussi parce que c'est pas terrible. Mais cet arbre là en particulier, c'est juste parfait avec les lanternes, tu vois. Donc l'objectif c'est d'avoir des arbres un peu dans ce genre, finalement. Ça peut être plutôt pas mal. Bref les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Un petit peu plus court que les précédents, je crois. Je suis pas sûr encore. Mais bon, au moins c'est bien sympa. Ah oui, regardez le toit. J'ai changé le toit de la maison. Ah oui, alors ça a fait débat durant le live. Ça a fait débat durant le live. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ah ouais, non, mais si, ça rend super bien. En fait, j'ai mis du bois de bouleau sur le toit, au milieu. Ce qui fait un variant, un relief. Ce qui rajoute plus de... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? En vrai, sincèrement. Ça a fait débat. Alors, ça a fait l'unanimité. Mais ceux qui étaient contre ce changement-là, ils étaient très virulents. Voilà, je pense à beaucoup de personnes. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu. Très important également de s'abonner. Ça, c'est super important. Si vous n'êtes pas abonné, vraiment, activez la cloche, etc. Et puis le petit commentaire qui fait plaisir parce que j'adore vous lire vos objectifs, vos idées. C'est que du bonheur. Oh là 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 là, et ça grouille de mobs en bas. En fait, ça va être une map CTM. Ça va être une map CTM en bas, hein, avec tous les arbres et tout. Ça va être la folie. Mais c'est ça en fait. C'est incroyable. Bref, plein de bisous les amis. À très vite. Ciao tout le monde.